Bonjour, je m'appelle Marine Delterme et je joue Alice Nevers dans Le juge est une femme. Voilà. Ça a été très chahuté. Ça a été chahuté parce qu'on a eu beaucoup de metteurs en scène. Déjà, on a une saison, on a deux épisodes de plus. On a tourné 8 épisodes au lieu de 6. Donc c'est vrai qu'on a pu, les auteurs ont pu dérouler beaucoup plus les histoires. Et c'est vrai que Alice Nevers et Marquand et du coup Max passent par plein de phases et de sont complètement chahutés dans leur vie privée, dans les enquêtes aussi. Voilà, il se passe énormément de choses sur cette saison et donc ça a été aussi assez étonnant parce qu'il y a eu trois metteurs en scène qui ont mis en scène cette saison. Donc on est passé par trois univers différents, façon de travailler, regard sur la série et sur les personnages. Donc c'est une saison très contrastée, on va dire, ouais, intense. Sur cette saison, le meilleur souvenir, il y a eu des choses en fait presque plus douloureuses, parce que c'est une saison tellement dure pour Alice Nevers. Enfin, à la fois, il y a toujours l'humour qu'on veut toujours amener dans ces épisodes, qui sera toujours là, qui oxygène ces histoires. Parce que de toute façon, Alice Nevers, c'est quelqu'un qui a un tempérament fort et qui a une force comme ça, qui avance. Donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours d'abord cette force d'aller au travail tous les matins, de continuer à écouter les autres, à essayer d'avancer dans cette quête de vérité qu'elle a. Donc, c'est un personnage, une héroïne, quelque part, qui est assez magnifique. Mais il y a beaucoup dans cette saison, par contre, toute la face cachée, plus sombre d'Alice, qui est embarquée. Je ne vais pas révéler le mystère de cette saison, mais qui presque va peut-être vaciller ailleurs, de l'autre côté. Cette partie-là, pour moi, elle était presque inquiétante et dangereuse et étrange à jouer, parce que c'est quelque chose d'Alice depuis toutes ces années, enfin, c'est une partie de ce personnage et d'elle où j'avais jamais été. Donc j'ai du mal, évidemment qu'il y a les moments heureux. En fait, les moments heureux sur cette série, c'est quand on... C'est très bête, ce que je vais dire est très basique, mais c'est quand on fait des scènes de comédie et qu'on a réussi quelque chose. Parce que bizarrement, la comédie, enfin, on le dit souvent, mais est plus dure à jouer et à mettre en place que le drame. Donc le drame, ça nous échappe. Quand une scène est émouvante, c'est qu'il s'est passé quelque chose malgré nous. La comédie, il faut ça, mais il faut aussi quand même beaucoup, au départ, de répétition, de rythme et de structure. Donc quand on arrive avec Max ou avec Marquand à se dire qu'on a fait passer quelque chose de l'ordre du charme ou du rythme, c'est plutôt joyeux. Donc ça, c'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs quand on arrive à ça.